dit quand ça finit? C'est déjà, oh, c'est déjà. T'es bon rappel. Bonjour à tous. Deuxième jour de la Coupe de France, enfin non, premier pour vous. On est arrivé un jour en avance. On a passé une petite nuit à choisir le grand, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était plutôt agréable. Quelle ne fut pas par contre notre surprise quand, avec la carte de la chambre 802, j'ouvre et oh, elle est déjà occupée. Qu'elle ne fait pas la surprise du frérot qui m'a vu. Il fait, tu fais quoi ici? Aujourd'hui, du coup, premier jour de la Coupe de France, ce sera la Coupe de France féminine. Donc Cannes va affronter Béziers. On va passer la journée avec les bénévoles, comme on vous avait dit. On va passer la journée avec Julien. Salut, c'est Julien. Qui était très marrant. Et voilà, essayer de voir un peu à quoi ça ressemble la vie de bénévole. On va travailler tous ensemble, c'est-à-dire que nous, on va promouvoir le travail de bénévole en travaillant pas. Ça, c'est beau. On se retrouve à la halle Georges Carpentier. C'est ça. On va chez Georges et bah tout de suite. Bonjour. Bref, on va prendre le tram parce qu'il est là et on est en train de tourner. On a le Excellent. Bah voilà. Et on prendra le prochain. Allez. Bah voilà, on est arrivé au QG des bénévoles dès le matin. Okay. Contre un petit thé. Oh putain, voilà Julien. Quelqu'un veut un thé ou pas? Non merci. Maxime, tu veux un thé? Moi j'ai pris des gens, tu veux un thé? Non, moi j'ai pris mon café. Tu fais mal avec ton thé? Non. Ah. Moi je pue de la gueule avec mon thé. Tu fais boycott là? On s'en fout de mon thé. En vrai, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire la vanne en disant « Ouais, je vais regarder les mecs travailler. » En vrai, j'ai quand même aidé. Un petit peu. J'ai des images qui le prouvent. De toute façon, je vis que pour les caméras. Samedi matin, du coup, on a installé le village que vous allez voir le soir, donc un peu plus tard dans la vidéo. Ah, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce que ça rend vachement bien. Et ensuite, on a été missionné pour coller des stickers FF volés sur des pancartes. Ah bah, c'était toute une histoire. Disons que ma performance était discutable. Tiens, Clément, c'est bien que tu filmes, on va expliquer pourquoi on colle des stickers. Là, c'est la pancarte FF volée. Oui. Carte double face. Et l'imprimeur, il a pas imprimé ses foirés. Et du coup, bah, faut le tout stickerer, faut stickeriser. Et on est pas très bon. Après, comme dirait Danudo, on maroufle. On quoi? On maroufle. On maroufle. Mais oui, t'as pas vu Déco? Bah, je connais Déco, mais j'avais 6 ans quand ça passait, quoi. J'en ai 25. Maroufler, c'est enlever les... chasser les bulles. Mais bah, on va maroufler fort. Merci. Qu'est-ce que tu penses de ton marouflage là? Écoute, je pense qu'on est pas trop mal. Il est mieux que le mien. Je n'osais pas le dire, mais tu donnes le dire pour moi. C'est vrai que le mien est quand même dégueulasse. Hein. Mais t'as fait des veines à ta pancarte. Ah ouais, elle est plus vivante. Il y a plus de relief. Alors que là, c'est clean, c'est. Franchement, il n'y a pas à chier, hein, c'est magnifique. Ah là, on voit bien. À la lumière, on voit bien que c'est de la. Alors on est toujours samedi 1er avril, 14h56, on voit bien? On voit bien. Excellent ce fond d'écran, hein? Allez, on va passer à la suite. On va interviewer un peu les bénévoles et tout, leur demander pourquoi ils sont là. Non, pourquoi ils sont là, maman? Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi ils sont bénévoles et tout? Parce qu'en vrai, bénévole, c'est pas payé. Mais non, c'est dans le mot. Perspicace. Du coup, ça peut être super intéressant. Il y a la finale des filles ce soir, je pense que je vais passer ça dans les images de match et tout, ça va être complètement dingue. Et à 16h30, il y aura le test du village. On va installer un village en mode vrai. On pourra tester la détente, il y aura un vélo pour faire des cocktails de fruits. Il y a des mangues, il y a des fraises, c'est complètement dingue. Et ben voilà. Donc, interview bénévole, c'est parti, let's go. Action! On est avec Julien. Salut, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Ça va être le running gag du truc. On est donc avec Julien, il vous souhaite la bienvenue sur son site. Bienvenue. Tu es donc bénévole. Tout à fait. Je donne de mon temps. Tu donnes de ton temps pour avoir accès à la finale gratos. Exactement. En vrai, moi j'ai jamais fait bénévole dans un événement. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse à être bénévole, genre à donner ton temps pour l'événement, tu vois? Hop là, la réponse ce sera pour plus tard, ce sera pendant les images de match. Ah, ça va vous frustrer un petit peu, c'est comme ça. Mais vous allez voir, ça va rendre bien avec les images de match. On passe à la suite. Donc là, on a fait pas mal d'interviews. Là, le problème c'est que maintenant ils vont faire une mission trop chiante. Du coup, bah, on va pas les aider. On va faire les dernières interviews qui manquent. On voit ça. J'ai réfléchi aux questions là. Eh, ça fait longtemps que je sais pas comment t'as un peu pour rigoler. Pierre Desrouillon au service côté Tourangeau et l'ace de Pierre Desrouillon. Un clin d'œil qui va arriver, clin d'œil bien mérité, c'était l'entraînement des Tourangeaux juste avant le match des filles. Et là maintenant on va passer à la visite du village qu'on a monté le matin. Vous allez voir, il y avait plein d'activités. Comme je vous disais, il y avait le truc à smoothie où tu pouvais pédaler pour faire ton smoothie avec les fruits. Il y avait un truc pour tester sa détente. Ah, je vois que Clément il rigole, vas-y fais-le Clem. Oh, il a enculé le poteau. Il y avait un truc où on pouvait faire un blind test aussi. J'ai affronté Tariq. Tariq c'est un mec qui a fait The Voice il y a quelques années. C'est le mec qui va faire le concert juste avant le match des filles, vous allez voir. Et c'est vraiment un mec en or. On a joué un peu au volet la veille à deux. Et c'est vraiment un mec que je kiffe trop sympa. Mais effectivement, encore une fois dans les rues de Georges Carpentier, un crime a été commis. Tariq n'a pas reconnu la musique, alors c'était la sienne. Vraiment un mec grave cool. Allez streamer un peu sa musique là. C'est Tariq, comme son prénom. Ouais, tout pareil. Peut-être qu'on refera des trucs à deux sur la chaîne, j'en sais rien, peut-être. Et évidemment, on a fini
fini par un atelier massage. En fait, je voulais absolument tester toutes les activités du village avant que les gens arrivent pour vérifier que tout se passe bien et que tout le monde soit sécurisé, bien sûr. D'ailleurs, Julien aussi va se permettre un petit massage, il l'a bien mérité. En vrai, on se rend pas compte à quel point les bénévoles font énormément sur les gros événements, même sur les petits hein, d'ailleurs. Donc voilà, Julien, kiffe bien ton massage. On a fait le tour du village, il va être temps de lancer le match avec la voix des bénévoles en arrière-plan. Ça va être stylé. Petit moment émotion. Allez, c'est parti. Alors, bon, bah, je m'appelle Tariq, 23 ans, et je suis artiste. J'ai fait The Voice il y a 2 ans et demi maintenant. Et c'est vraiment un pur bonheur, c'est l'occasion d'allier deux passions. Voilà, moi, j'en fais depuis que je suis tout petit, c'est une partie intégrante de ma vie. Mon père en faisait, toute la famille du côté de mon père en fait. Donc pouvoir chanter à un événement de volet, c'est le kiff absolu, quoi. Bah, Amélie Rothard qui joue à Béziers suit pas mal ce que je fais à MSN, donc ça fait trop plaisir de pouvoir la rencontrer et tout, et puis même la voir sur un terrain, se la donner à fond, donc ça va être incroyable. C'est avant tout une passion quand même. C'est une chance aussi de voir un peu les joueurs pros parce qu'on les voit à la télé, on les voit sur les vidéos, on les voit trucs comme ça. Mais voir en vrai quand même, c'est autre chose. Alors déjà, il y a la passion du volet, c'est principalement ça. Déjà pour l'amour du sport et puis en plus pour rencontrer des gens super sympas, il y a une super bonne ambiance et on s'amuse bien donc. On passe du bon temps, ouais, on vient encore plus intensément. Tu rencontres déjà pas mal de personnes, surtout si t'es voleur dans ce cas présent, tu rencontres d'autres personnes qui aiment ta passion. Julien que j'avais rencontré par les Beach Pro Tour, bah, on s'est recroisé après, il était venu à des matchs et trucs. Donc, pour le côté humain, genre tu kiffes, et pour le côté après spectacle, c'est vraiment... C'est top. C'est un kiff en plus, simplement parce que j'ai pas vu un match pro de volley, j'ai pas eu l'occasion ces dernières années. Et en tant que bénévole, ok, t'as toute la partie travail, mais t'as quand même la partie où on est là, on est présent et on est super proche pour voir les matchs, les échauffements, des choses qu'on voit pas du tout lorsqu'on reste loin du terrain. Salut, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon site. Il l'a. Il a un polo par passé, mais il l'a. T'es plus bénévole ? Si. T'as pas le t-shirt ? Non. T'es coupable ? Pardon. Tu vois les traces que t'as fait quand t'as sauté tout à l'heure ? Pardon, si tu me les enlèves. Allez. Ça y est, traces, là, regarde. Voilà, mon t-shirt est dégueulasse. C'est bientôt l'ouverture au public. Bonjour, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue sur mon site et c'est bientôt l'ouverture au public. Et ben, let's go! On lance le match. Oh, la transition de dessous. Je l'ai pas lancé sur la caméra. Tiens, c'est une balle. Coupe tout, Clément, je vais faire un ABC. Quand tu les vois à la télé ou quand tu les vois en live, tu dis j'aimerais bien faire ça moi aussi. C'est là où tu dis ouais, moi je suis grand départemental, c'est bien. Pas plus, pas moins. Et
voilà, c'était donc la fin de la finale garçon qui a été remportée par Tours, la finale fille qui a été remportée par les joueuses de Béziers, vous l'avez vu. Encore une fois, un énorme merci à la Fédération Française de Volley à la fois pour la confiance et pour l'invitation, mais aussi pour avoir trouvé le sujet de la vidéo. L'idée de faire une vidéo sur les bénévoles, ça vient d'eux, et qu'est-ce que c'était une bonne idée, ça rend super bien. Je trouve que la vidéo rend grave naturelle, grave authentique. J'ai trop kiffé la tournée, j'ai rencontré des personnes super en plus, alors si vous hésitiez de votre côté à vous lancer dans le bénévolat, et bien n'hésitez plus, foncez, de toute façon il y aura toujours des places, et c'est aussi le moyen d'aller à des événements sans débourser un copec. Ah, il faut y penser. Un grand bravo aux bénévoles, parce que oui, effectivement, une fois que tout le monde est parti dans la salle, il faut tout démonter, tout remettre comme c'était au début, et ils sont restés jusque tard, ils font un travail de dingue. Bref, prochain rendez-vous FF Volley, ce sera sur l'IFVB le mois prochain. Merci d'avoir suivi la vidéo, passez une bonne journée, une bonne semaine, merci à tous d'être de plus en plus nombreux, à très bientôt, ciao. Moi c'est même pas l'avion qui me fait peur, c'est la sensation du décollage tout ça. Je pars d'un coup comme ça là. T'aimes pas être monté en l'air? Ça dépend par qui. C'est coupé.